Le village de Zavoka. Le projet est sans exemple dans l'histoire récente du barreau du Lualaba. Pour s'y rendre compte de l'immensité de cette entreprise de membres du conseil, il faut quitter l'ambiance frénétique du centre commercial de Colusi, parcourir 14 km. Direction la route qui mène vers Kamoa. Ici, c'est une vaste étendue à perte de vue. Les lotissements Cobalt 2 et les domaines aménagés pour les avocats du barreau du Lualaba. Actuellement, une savane y règne, mais pas pour longtemps. Des glorieuses habitations vont éclore. Un modèle royal de bâtisse y sera imprimé. L'idée de ce projet vient faire face à l'insécurité sociale grandissante dans les milieux des avocats. Les prix d'une parcelle dans le nouveau lotissement donnent prise à une jalousie. Le paiement échelonné prête allégeance aux revenus du futur acquéreur. Pour l'instant, 500 parcelles sont disponibles. Le lotissement n'est réservé qu'aux avocats. Chaque membre du barreau du Lualaba ne manquera pas son lapin de terre. Dans ce village qui offre le gage face à la pestilence de la spoliation à condition de s'acquitter financièrement.